le plaisir, quel genre de plaisir on peut avoir? Est-ce qu'il y a deux types de plaisir? Beaucoup, même. Non. Est-ce qu'il y a deux types de plaisir? Oui. C'est lesquels? Toucher. Non, le manger. Deux types, pour ne pas me perdre dans les détails. Deux types de plaisir, deux courses de plaisir. Quels sont les deux plaisirs? Il vient dire manger. Manger, non, mais c'est trop précis, ça, manger. Ça peut être n'importe quoi. Tu pourrais donner manger, tu pourrais dire boire, tu pourrais dire n'importe quoi. Manger, c'est quoi? Quand tu manges, c'est un plaisir qui vient d'où? Du goût. Donc, il vient d'où? Il t'est donné par qui? Quand tu manges, d'où ça vient ce que tu manges? Ça vient de la terre. Qui est-ce qui te donne à manger? C'est bien ça. D'où, quand on mange, on reçoit ça de qui? Quand, par exemple, vous allez manger, vous, oui. Vous mangez, bon, vous le recevez d'où? Par les gens. Oui. Par les gens. Par les gens. Voilà. Donc, c'est un plaisir qui vient de l'extérieur. L'extérieur. Par opposition à... Et l'autre cas, c'est quoi, l'autre cas? Est-ce que tous les plaisirs viennent de l'extérieur? Non, ça dépend. Alors, dites-moi, un plaisir qui ne vient pas de l'extérieur. Quand tu payes. Quoi? Quand tu vas au restaurant, tu payes. Et alors? Non. Ça change quoi, ça? Non, ça change rien, ça. Alors? Quels sont les plaisirs qui ne sont pas extérieurs? Ils ne viennent pas des autres? Ah, le rire. Oui, parce que le rire, c'est quoi? C'est un plaisir qui vient de... De nous-mêmes. Oui. Entre autres, oui. Voilà, j'étude. Il a raison. Je mange. C'est pas moi qui provoque. C'est pas moi qui ai inventé la viande. Mais le rire, c'est moi. Oui. Ah, il est bloqué. Alors, tu me donnes, donne-nous des autres exemples que le rire, voilà. De plaisir qui sont de l'intérieur, qui viennent de toi et pas des autres. Ah, il y en a beaucoup, hein. Eh ben, qui en trouve? Ben, vas-y. Moi, je dis rien. L'amour. L'amour, ça peut dire des autres aussi. Ça peut être aussi quelqu'un. Toi, tu peux aimer quelqu'un. Donc, tu as du plaisir à aimer quelqu'un. Mais tu peux avoir du plaisir à être aimé par quelqu'un. Donc c'est dans les deux sens. On peut dire même avoir le plaisir de faire des grimaces. Oui. C'est comme se rire. Est-ce que parler, c'est un plaisir pour toi? Non. C'est un plaisir que tu viens de l'intérieur. Eh bien, il faut le dire, mon vieux. Il faut le dire. Quand tu parles, tu as un certain plaisir, mais c'est toi qui l'as. C'est toi qui parle. C'est comme rire. Elle est pas